Chef Résusseur, Assalamu Alaikum wa, wa Aujourd'hui, nous traitons du thème Les bienfaits de la prière nocturne. La prière nocturne est une pratique spirituelle fortement recommandée aux croyants musulmans dans la quête de sa proximité avec son Seigneur Allah. Au début de sa mission prophétique, Allah a indiqué cette pratique à son envoyé Mohammed. Au verset 1 à 6 de la sourate 73, l'enveloppé, je cite, ô oh, toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus. Et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Fin de citation. En réalité, la nuit est un moment propice pour prier car Allah entend mieux les supplications de son serviteur en cette période. En effet, selon un hadith rapporté par Abu Ureira, le messager d'Allah, sur la salam a dit, et je cite, Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit. Il dit alors, je cite, Qui m'invoque Que je lui réponde. Qui me demande Que je lui donne. Qui implore mon pardon, que je lui pardonne. Fin des citations. C'est pourquoi inclure la prière nocturne dans ses habitudes offre au bout du compte abondamment de faveurs au plan spirituel et les grâces infinies de la part du Créateur ici-bas et dans l'autre monde. D'ailleurs, c'est cette pratique qui a renforcé la foi et la sérénité des compagnons du de prophète Mohammed pour porter au plus haut niveau l'islam et la civilisation qu'elle a engendrée. À ce, propos, à ce propos, Abdullah Ibn Salam, Radiallah anhu a affirmé, je cite, lorsque le messager d'Allah est arrivé à Médine, les gens se précipitaient à lui. Quand je l'ai reconnu, je sus que son visage n'était pas celui des menteurs. Les premières paroles que je l'ai entendu dire, et j'étais, je cite, Ô gens, oh, répandez le salut, offrez la nourriture, entretenez les liens de parenté et priez la nuit. Alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Fin de citation. Au total, dans un monde où l'individualisme et donc l'absence de solidarité désorientent les personnes en proie aux difficultés de la vie, la prière nocturne est une véritable bouée de sauvetage pour celle-ci qui permet de retrouver un équilibre interne et regagner la confiance en soi et d'être habité d'un optimisme permanent grâce à l'espérance à Allah qu'à la face de nous, des personnes qui profitent pleinement de la nuit, en prière, Amen, à la prochaine fois, Inch'Allah.